Petite marmotte, j'ai la meilleure des nouvelles à vous annoncer. C'est le dimanche des portables, envoie-nous un texto. Ou on peut peut-être faire ça à l'ancienne et parler avec nos bouches. Alors à partir de cet instant, on lance officiellement l'opération Grange. On a une grange, tu plaisantes? Oui, juste derrière notre piste de bowling. On a un bowling aussi? Oui, juste à côté des jeux d'arcade. On devrait aller de l'autre côté du camp un peu plus souvent. Oui, et c'est l'occasion. C'est à notre tour de ranger la grange et de nous occuper des animaux. D'adorables animaux? Je suis prête à y aller alors. Parce que chez moi, j'ai un zèbre, une girafe et un cochon. Si on compte Luc. Oh, j'adorerais venir partager ça avec vous, mais je dois aller faire du bénévolat en ville. Ah oui? Quel bénévolat? À la Fondation Nationale pour les personnes ayant besoin d'aide. Tout ça me semble très sensé. L'opération Grange est obligatoire. Et puis de salir les mains, ce sera une nouveauté. On y va, un pied devant l'autre. Je veux bien mettre un pied devant l'autre, mais surtout pas dans un truc dégoûtant. Je parle de bouse et de popo. Oui, c'était très clair. Un peu de nerf, les grizzlies. Je sais qu'il y a pas mal de vent, mais on ramasse le plus de feuilles possible et puis on rentre au camp faire de la gravure sur feuilles. Et comment on sait lesquelles sont vénéneuses? D'accord, gravure sur feuille annulée. Si on en profitait pour marcher dans la nature. Hé, les gars, qu'est-ce que c'est? Je le découvre en même temps que toi, mais ma suggestion, c'est qu'il s'agit d'un sonnet en cèdre taillé à la main de la province suédoise de Västerbotten. Arrête, Ravi, comment tu peux savoir ça? Je suis le plus intelligent des moniteurs stagiaires du camp Kikiwaka. En plus, il y a un écriteau. En plus, il y a un écriteau. Oh, quelle angoisse. Ravi, c'est bizarre, on dirait ton père, mais à plat. Si, il semblerait qu'on soit tombé sur le sauna privé de Gladys. Et elle a fait de mon père son accessoire de prédilection. Oh, je le plains pour ce qu'il a vu. Waouh! J'étais jamais entrée dans un sauna. Sauf si je compte la fois où le tuyau de vapeur a explosé quand j'étais dans le trou. Ils ont des cellules d'isolement au centre de détention? Non, le trou c'est un spécialiste des beignets où je volais à l'étalage. Les gars, si on sortait d'ici, je déteste les espaces confinés. C'est sûrement parce que j'ai passé toute une nuit dans un cercueil. Je veux pas savoir pourquoi t'étais dans un cercueil. On faisait une partie de cache-cache et ça a mal tourné à des obsèques. Retrouve Camp Kikiwaka sur Disney Channel. Appuie sur i pour plus de Disney Channel et abonne-toi pour ne manquer aucune de nos vidéos.